Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Draft, booster, Pokémon. Du coup, c'est assez simple, c'est les cartes qui vont décider de quel numéro est. Donc chaque type de carte correspond à un numéro, 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, ça va être au hasard. On choisit à chaque fois un titulaire et un remplaçant sur ces drafts là. Et donc du coup nous sommes partis pour jouer une petite draft. Je crois qu'on va jouer en 3-4-3 ou 4-4-2 à plat. Tiens, 4-4-2 à plat j'aime bien, c'est solide et c'est ce que je préfère. Je vais ouvrir le booster. Par contre les capitaines sont dégueulasses, on est bien d'accord que c'est des capitaines nuls, non? Quelle série de booster? Là on est sur Star Étincelante. Le premier type c'est Dragon. Premier type Dragon. Nous sommes sur le choix numéro 5, donc on part sur Alan Saint-Maximin. Tu veux que je change? Vous êtes en train de tout me niquer, mais c'est pas grave. Du coup on change, Flamme Obsidienne. Alors bon, là malheureusement on va quand même prendre le 5 à chaque fois là. Du coup c'est parti. Alors le type c'est le type plante. Du coup plante, gardien numéro 1 avec Cels ici en remplaçant. Ce sera un Klaus. Ok sympa, même ça rentre pas dans l'effectif parce que j'ai pas de défenseur latéral droit. Avec la première carte du booster qui est un magnifique Roucoups en type normal hein. Choix numéro 5. Numéro 5 on va sur poche, ouais, vraiment pas terrible là. Et le numéro 5 ici ça sera... C'est les joueurs nuls donc pas de déception. Ensuite le deuxième choix, ça sera un type feu ici, le choix numéro 2. Ok, Ramos, pourquoi pas. Il y avait mieux, mais il y avait pire. Donc Ramos, on prendra Fernando. Ok, il n'y avait pas grand-chose de mieux non plus à faire. Carte suivante, nous sommes sur un type normal. Ok, donc là, je commence vraiment à avoir une draft éclatée au sol, hein, je pense qu'on peut le dire. Ça fait troisième choix avec des joueurs pas ouf. Ok, Coman, c'est plutôt sympa. Prochaine carte, ça sera une carte de type feu, encore une fois. Alors, numéro... Oh, Klosterman, je pense que c'est un des meilleurs choix qu'on pouvait avoir ici. Mikotadze. Milieu droit, on a les joueurs offensifs comme d'hab, hein. Je vous dis toujours, c'est là vraiment où j'ai besoin d'avoir des trucs quand même assez bons. On va partir avec un type dragon qui est le choix numéro 5 encore une fois. Choix numéro 5 pour celui-ci, Bruno Fernandez. Ok, alors c'est pas forcément la meilleure carte ni au meilleur poste, mais ça reste Bruno donc on est content. Et le numéro 5 ici, oh dommage, on avait quand même des super subs éventuels. Et on se finit avec Estupinian, le seul poste où vraiment on a déjà ce qu'il faut. Pas dingue. Carte suivante ici, c'est un ténèbre, le choix numéro 2, Pedri. Ok, il y avait De Bruyne quand même et Adeyemi, c'était quand même un peu mieux, mais bon, ben tant pis. Et le numéro 2 ici en remplaçant Benzema. Ok, on récupère Benzema, ça c'est cool. En super sub, ça va être quand même assez intéressant pour une attaque correcte. La carte suivante, première reverse ici, carte feu. Ok, Odegaard, parfait. Rafinha, il y avait Pires ou Sanchez qui était peut-être plus intéressant. C'est maintenant un peu que se joue la draft. En gros, il faut vraiment chatter sur celle-là, quoi. Pas de hit ici, et on a un Pokémon de type normal avec Zigzaton. Oh non, non frère, non, 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 non. Tout c'était éventuellement intéressant à jouer. Il y a un karma négatif qui se joue là quand même, hein, il y a quelque chose. Numéro 5 ici. Ok, Ndiaye. Bon, bah là, il va falloir le tueur avec la dernière carte du paquet. On n'a même pas une carte spéciale, c'est qu'une carte simple, standard. On plante. Le booster est éclaté au sol, comme ma draft au final. Choix numéro 1 ici. Oh, ouais, les gars, bon, c'est vrai, il n'y a pas de... Oh là là, c'est quoi ces drafts? Non mais vraiment... Oh l'équipe de bras cassés en vrai. Bon bah les gars, je vais pas vous mentir, j'y crois pas une seconde, mais à tout moment, ça gagne. Benzema en pointe, on va faire rentrer Saint-Maximin en pointe aussi. On va mettre bien évidemment Bruno sur les côtés et Odegaard en milieu droit parce que bah clairement il faut plutôt Bruno dans l'axe. Et pour l'instant on va rester comme ça et on va espérer que ça se passe approximativement bien. Ok, let's go. Bruno, pour le premier but. Que tout un symbole, hein. Non, elle était pas si dure. Ah, ils sont nuls, mais ils savent faire des essais du pied, quoi. Non, en fait, ce qui fait chier, c'est que vu qu'ils ont marqué, ils vont pas quitter, quoi, parce qu'ils vont penser qu'ils peuvent gagner, ce qui est totalement possible, hein, avec le jeu. Bah oui. Ah bah on connaît le jeu, attends, et oh. Hop là, allez 3-1. Hop là, allez merci beaucoup. Pote, ça peut être un deuxième carton s'il vous plaît monsieur l'arbitre.
Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Ah, le rouge va peut-être... Ah non, dis-moi pas qu'ils vont faire des chants. Non, ça va. Let's go, les gars. On a pris un rage-kit. Maignan, Vidic, Olawarane, Mbappé... Ouais, elle est pas si folle que ça non plus, son équipe. Après, ça reste toujours mieux que nous par rapport au collectif, c'est sûr. Mais elle est pas si folle que ça non plus, quoi. Voilà. Et de 1, oh oui. Or ça, mon gars. Oh oui, mais non, mais ça, c'est le miel. Ça, c'est du miel. Et Bruno, bien sûr. Ouais, Bruno, c'est le but. Hein. Moi aussi, je cheat. Eh ouais, je vois aussi, je cheat, mon frérot, tu crois que quoi? Oh oui, la différence est faite. Oh oui. Ah, il savait pas, je sors pas. Bon bah, punition. Hein. Non, donne-lui pas d'espoir. Vas-y, la flemme. Bien joué, Sergio. C'est perdu. Pack Jumbo, Premium Or et Pack Premium Or. Voyons voir ce que ça donne. Tu vois, regarde, Pack Premium Or, tu vois, boum, joueur spécial. Et tu vois, vendable. Donc tu vois, même au final, hein, les petites drafts comme ça, ça peut valoir la peine. Tu vois, là, tu récupères un 10 000, 15 000 crédits. Tu prends, quoi. Tu vois, c'est ouais, 11 000. Bah ouais, mais après, tu vois, c'est, ça reste très, très cool au final. Hein. Bon, malheureusement, on n'a pas chaté, encore une fois. Hein. Oh! Ok! Non, bah on prend, hein, clairement, hein! Ah là là, magnifique! Regarde tous ces énormes doublons qu'on a, quoi, c'est abusé! 85 plus. Toujours les tots qui s'affichent en premier. Ça commence à être compliqué cette histoire, quand même. Allez, c'est maintenant! Non. 10 joueurs 84. Toujours les tots qui s'affichent en premier. Non, toujours pas. Allez, derrière c'est maintenant. Oh, pas de doublon. C'est beau ça. On est content de ces packs. En fait, ce qu'il faut faire pour le suspense, parce que vu que casse tout le suspense, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Tu regardes gentiment et tu regardes s'il y a du rose. Ouais, pas de rose là. Hein. Ah, c'est de la merde. Ah. Voilà, là, le jeu il bug sa mère. Ah. J'ai un joueur spécial, mais je sais pas qui. Un espagnol. Buteur. Incroyable. Et merci beaucoup, Gueno, pour le sub. Et du coup, ça sera... Ouf. Wayne va jouer sa place dans l'équipe première. Oh putain, t'es un bâtard quand même. Putain, Rooney, ça me ferait mal au cul en vrai. Mais allez, c'est la fin de FIFA. On joue pour Wayne Rooney ici. Portons nos balls. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop les discard games parce que tu vois, genre... voilà, ils pensent que... voilà, ça ruine un peu le truc. Alors là, tu vois, on est plutôt dans le fun. C'est des joueurs qu'on a récupérés facilement. Et après, voilà, on sait aussi que le jeu, il est bientôt fini. Donc, on profite pour s'amuser, faire des concepts qu'on ferait pas forcément en début d'année. Voilà, on est là pour le fun. Si je perds Wayne Rooney, je perds Wayne Rooney. Je jouerai une autre version, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouh, mais Wayne te dit... Non, moi, j'ai pas trop envie de partir. Et il te met une frappasse du droit alors que franchement, je pensais qu'on avait perdu la balle. Oh, il a eu Rashford, lui. Tenter le tout droit quand même, hein. Enfin le tout droit, le voilà. Ok. Dans notre malchance, au final, on a eu de la chance. Ouais, bon, c'était sûr. Au bout d'un moment, quand ça revient dans les pieds à chaque fois, tu sais qu'il doit marquer. Hein. Ça, c'est basique. T'as beau essayer de défendre correctement, quand le jeu veut pas, eh ben il y va et c'est tout. Hein. Eh oui, mon petit! Et Wayne Rooney! Tellement les joueurs sont forts que des fois, bah, tu vas. Les mecs vont obtenir des contres alors que. Il n'y avait pas forcément lieu de. Oh oui, Wayne, et te met un triplé. Hein. Oh la passe, elle est belle! Et c'est la calvitie qui part! Oh là là, Zizou! Mais oui, monsieur! Bon bah les gars, hein, le suspense a été présent sur l'égalisation, mais ça s'est très vite remis dans l'ordre. Hein. Oh ça, oh là! Oh là, t'es... Oh là! Bah alors, t'es où? Oh là! Oh là! Oh belge! T'étais où?
Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as stressé? Ah non, c'est pas bien ça. Non, 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 je veux revoir ça. Sancho, première action, premier but. Oh, le festival. Déjà là, là, il y a eu une chute, on l'aura pas au ralenti. Là, hop. Hop, il n'y a pas un seul compte favorable, quoi. Ish. Oh là 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 là, on l'a tué. Eh bah, magnifique. Le premier but de Wayne, il est tellement cheaté. Cette frappe-là, elle est chelou, quoi. Compte favorable ici. Ah non, même pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a même pas touché la balle? C'est un magicien. Ah ouais, c'est un magicien, ouais. Ah ouais, c'est un magicien, clairement. Allez, le petit pack, comme on faisait à l'ancienne de fin de vidéo, entre guillemets. Parce que si on en fait une vidéo, autant ouvrir un petit pack. Donc on vous rappelle, hein, on cherche toujours Rashford et Bruno. Ça affiche toujours les tots en premier, donc ça peut tout cacher derrière. Là, ça sera en tout cas un tots pas forcément folichon. Donc on peut espérer. Moi, j'aime bien. Quand il y a des petites notes tots qui sortent en premier, j'y crois fort qu'il y ait des énormes cartes derrière. C'est si beau, frère. C'est si beau. C'est si beau. L'histoire est... On essaye de me faire perdre Wayne Rooney. Je joue mon match, je gagne. J'ouvre un petit pack à la fin pour me faire plaisir. Et un des deux est tombé. Bruno, le retour qu'on a dû discard. Eh ben, il est de retour. Oh, c'est beau. Let's go. Trois icônes à l'intérieur. Ah, c'est magnifique. Oh, oui. Petit discard game, Bruno. Non, non. Aujourd'hui, il n'y a plus de discard game. Là... Je te dis la vérité, j'ai accepté. Là, je te jure, il me manque plus qu'un seul pour finir mon équipe ultime. Laisse-moi finir mon équipe ultime. Discard game, Zizou, ok. United, y a pas. On la discard, hein. Eh ben, il revient dans le club. Et il est là, mon petit bébé. Premier détenteur, Bruno. C'est épique ce qui s'est passé sur cette vidéo. Franchement, c'est cool. Ah, fait plaisir d'être de retour. Maintenant, faut aller chercher Rashford. Ça va être beau. Ça va être beau.